Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Fidèles au sang, ces hommes et noirs, Taïmata, chez notre aîné. Bonjour, les bénis. Plus précisément dans la carte de Washington. Balobi maman Marthe Nde. Maman Marthe Nde. Balobi shop Africa Union. Mais quand tu es gagnant, tu es un peu plus grand. Il y a un Congolais. 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 Il y a un Bio Africa Union et tout ça pour la machine, sinon vous voulez pas dire que vous voulez dire. Vous voulez dire que 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 Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Pas de marche hier à Kolwezi, Forum des As qui en parle. Félix Tshisekedi n'étant pas membre du gouvernement, c'est à Sylvestre Ilunga, si faute il y a, de rappeler à l'ordre le VPM Tunda. Le CG Joseph Ikoli affirme avoir les mains propres et exige des preuves pour un prétendu détournement de 1 million de dollars aux mines. Je ne sais pas pourquoi, chaque fois qu'on parle des mines dans mon pays, j'ai le document qui me revient, le document de Raphaël Mushila Ngoï. Ça me revient toujours, ce rapport important. Mais s'il y a des secteurs où l'impunité est faite chère, c'est dans le domaine des mines, dans le domaine de la douane, dans le domaine des régies financières, dans le domaine des frontières. L'impunité est à son comble là-bas. Là-bas, l'impunité enseigne, est devenue norme. Les gens se posent des questions, mais pourquoi Fatshi et Kabila, le FCC et l'UDPS, pourquoi Bazoyo Kanate? Bakouki Koyo Kanate, parce que c'est deux modèles totalement différents. Bakoyo Kanaka Ate. Je peux vous garantir que Bakouki Koyo Kanate, c'est deux modèles contradictoires. Je peux vous illustrer des exemples. Ndeko. Vous avez contrôlé un pays pendant 18 ans. Le secteur minier est venu pour produire tout l'argent du pays. Mais le secteur minier à lui seul, tout l'argent que le secteur minier d'abord faisait entrer, il y a un autre thème qui est venu dans l'État. Et je le dis sous rapport et par rapport international. Je le dis, le secteur minier, il y a un beau kaoyo. Ils allient l'un des éléments qui divise les deux clans. L'un des éléments qui divise les deux administrations. Parce que leurs approches sont contradictoires. Je prends un exemple. Ceux qui ont 7 milliards, ceux qui ont 7 milliards, ceux qui ont 7 milliards, c'est peut-être 1 milliard ou 2 milliards. Autour de Tikalaki, il y a un groupe de mafia, ainsi de suite. Ça, c'est un élément. Il y a un exemple. Deuxième élément. Au lieu que Mbongo cotise à 7 milliards, peut-être que notre potentiel est dans 22 milliards, 23 milliards, 24 milliards. Parce que ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un petit secteur minier, na biso, na bateau, ba yebi mixala, na bateau, ba yebi makambu, neti ba mushila, ba bangoy mushila, pardon, au petit bango binouana, au petit d'autres Congolais experts en la matière, mais qui ne sont pas de partis politiques, au petit bango yango,
observez encore dans une année. Parce qu'il y a des... Vous savez, nous avons des savants congolais, des génies congolais. Sur le PC, Bango Kako, bon, mine, secteur de mine, Yango. Trouvez-moi l'argent, Namboka Oyo. Mais mesdames, mesdames et messieurs, une année, Eda et Bélé, d'abord, ils vont révisiter certains contrats léonais. Bako révisiter certains contrats stupides. Oh, Ngoï Mouchi, la lobby, il y a un contrat stupide, stupide. Oh, que Mboka Mordo Gondima. Il y a un contrat de 200 ans. Il y a 100 ans. Bon, on a un contrat, modèle, on a un pays. Va signer, le pays signe un contrat avec des étrangers pour 100 ans d'exploitation. Attends, on a ta bradage, Django. A ta bradage. Bozui, mine, Nabino. Bote qui est un carré minier. Tu peux bote qui est le comment on a 2 millions. Mais bote qui est un bateau, mine, bote qui est le bateau, on a un milliard. Ceux qui m'ont pèsé secteur de mine, wana, na bateau bayebi. Je répète sans être contredit. Ba mouchila, wana, ngoye mouchila, wana. Vous dites, monsieur, viens. On sait que tu n'as pas besoin de gérer la Gécamine Toyebi. Depuis que tu as besoin de gérer le secteur minier Toyebi. Mais est-ce que tu peux nous dire ma clé de sortie? Est-ce que tu peux nous dire ma voie de sortie? Comment on fait pour nous en sortir? Comment on fait pour redorer l'image de mine Nabiso? Pour que tu commandes aux États-Unis, dans l'exploitation de mine, pour que tu commandes aux Australie, tu commandes aux Chine, tu commandes aux pays, tu commandes aux minéraux, tu commandes aux produits, tu commandes aux et pas aux Batoka Bango et Mouchila, Batoka Batou, Batou Moussousou, ils vont vous dire, hein, mes frères congolais, la solution est moko. Révisitez certains contrats et appliquez. Bon, révisitez vos contrats Nabino, bon, revoir code minier Nabino Bozanango, parce que pour moi, c'est un code bidon, un véritable bidon. Code Bozanango, bon, bandeli code minier, wana. Ce qui vous bandeli yango. Bon, respecter ma norme, bon, tiki mboka Nabino ouvert, Nabatonio Sobaya, de la manière la plus clair que possible. Ma usine, ma entreprise, net je camino, bo remodeler yango, bo redynamiser yango, bo raison ici yango na lo lenge o ezalaka. Bo pesi yango la force, la capacité, na ba mission, na ba objectif, mosusu o ezalaki yango avant ya liboso. Bo zong se libango. Bo tchè libango na système à performance, na ba système ya ba objectif. C'est fini. Des assignations claires et nettes. L'affaire est close. Vous avez réglé l'affaire de la, du côté Yamine, mais pas seulement. Bon, qu'est-ce qu'on rajeunit l'équipe pour le diriger en gros. Vous rajeunissez l'équipe. Bon, matériel, tout est là qui est amorti, bon, bandeli en gros. Bon, réinvestir dans le matériel. Bon, ils ont dit si ma machine est sika, ma camion est sika. Ils ont dit bien. Mais je ne vois pas pourquoi vous aurez des problèmes. Ce qui est possible, vous développez une politique qui a qu'à produire. Disons, il y a qu'à produire, mais qu'on a bino A sur place. Il y a que transformer, oui, la politique de la transformation. Vous décidez que vous transformez ce qui est de la mingité, ça ne sera pas trop demandé, au moins à 80%. Parce que la transformation sur le sol permet à ce pays-là de fixer son propre prix. Bino de beaucoup fixer prix Nabino et vous allez contrôler les marchés. Or, en créant Babilo Koana, usine la transformation, vous allez créer des entreprises connexes et beaucoup créer Bamisala et Bélé, et vous avez donc créé la richesse, vous avez résolu le problème du chômage, vous avez résolu le problème de l'insécurité, Makambo et Bélé. Vous devenez un pays qu'on peut compter, sur qui on peut compter. C'est quoi? Il faut pas faire de la magie. Vous n'avez qu'à demander aux experts de venir et les experts viendront. Problème d'Abango et Angouana. Lorsque Fachi dit. Makambo, y a mine, tout ça. Oh non, mais le gars veut nous tuer. Parce que Bango, en réalité, il y a 6 mois, il y a 7 mois, il y a 10 mois, il y a bébé, il y a entreprise. Au Congo, il y a des familles, des gens qui sont tellement chanceux que Kobo Tamanaye a un carré minier. A Bunda, a Osale, le côté, a Tanga, a Yekola, a place mon côté. Il n'a mérite, à ta mon côté. Avec un mérite, à ta mon côté, ce qui le fait d'appartenir à la famille ou à la alors, il y a un bon monde politique qui a kleptocratie. Il y a un bon monde qui a l'État. Tacocratie. Il y a un bon monde qui a une gouvernance qui a bateau penda au bazanga mayel, au bateau bazanga boania. Oh, bateau boania bazali. Vous pensez vraiment que dans le monde, nous n'avons pas des Congolais experts en mine ailleurs? Vous pensez vraiment dans tous les carrés miniers du monde, dans toutes les entreprises minières du monde, n'y a-t-il pas des Congolais? Et bah Congolo avait au bas Kotangaka ba mine, bah Kotangaka ba mine à l'étranger. Mais c'est des gens qu'on peut appeler. Il y a des Congolais qui ont été fatigués de la politique à mine, à Bino, bah qu'est-ce qu'on a au Liban? Ils sont là en train de travailler ailleurs.
Et bah, quand même, dans le Congo, ils sont là dans les départements, bah, dans le Congo, bah, t'as vu, bah, c'est grave, mais ces gens ne sont pas sérieux. Selon ton tiki secteur, on m'a dit, pense à l'épée, ça va être un kanda, yangouan. Tant qu'on a vu qu'on touchait, le nœud du problème est dans le niveau. Le nœud du problème est dans le niveau de la mine, d'abord. Deuxième nœud du problème est dans le niveau de la douane. Ndekona ni kambo, donna ni koutro lobate. Bato na ba komisi yango pena ba beau-frère na bango ba papa ya basi na bango ba papa ya bana na bango ba papa ba basi ba mama ya bana na bango ba ba copain ba copine ba komisi douane loko la monde moko donc c'est-à-dire loko un éléphant quoi o bango ba ki kwa kozoka mbongo wana. À un moment donné, lorsque la nouvelle administration entre, elle dit il faut qu'on arrête ça et tomboki si bango et le côté pèse bango pas c'est-à-dire que bato mona ndenge ba ni ba perdre Kasumbalé ça parce que Kasumbalé ça ba ni ba zone c'est yango na l'état congolais na vigilance à l'état congolais ba ni ba kaga ba marché connexion. Alors les gens ne reviennent pas, ils regardent les opportunités bango bazoka, ils regardent l'argent facile au yakawana ndeko ceux qui 15 millions de dollars mute kota kana douane par jour disons ceux qui potentiellement mbongo kota kana douane et cause à la 20 milliards de dollars, rassurez-vous que de la même manière, la mine, mon compte à la moka, il aura peut-être 2 milliards. Ou le compte à la trésor. Or, mon compte à la trésor, 2 milliards. Voilà, point de compte, ça, Michel, on aura 1 milliard de mon ami. Autour de Tikal, on a volatilisé. Mais déjà, avant que même 2 milliards de compte, on a déjà pris à 80% de mbongo. Et Kabo la mine à battre. Et bâton à tout, baye bibango. Les inspecteurs judiciaires, baye bibango. Le parquet, baye bibango. Les commerçants, baye bibango. Donc c'est un vol à ciel ouvert. Moutou tout a yébi que, na Kasumbalé, ça baye bakambongo à l'état de la manière la plus scandaleuse que possible. Bâton à marché, mon copain, marché bilanga. Et à la kawana. Marché, on les a depuis très longtemps. Bah, procéder faire les makawana, les familles sont enrichies dans le vol. Dans la tricherie, dans la mafia, et c'est tout un groupe qui fait les mawana. Les étrangers, Bayak, Kabala, la part de Bango dans le vol. Wana. Est-ce que vous pouvez imaginer le modèle wana? Bango, Moko, Bado, téléme la modernité. Bado, téléme la yango. Quand on dit, Tongi, toi, la machine, Moko, Yango, de la centrale, Baboui. Otete, Tongi, Moko, Tongi, Kakaabou. Ça ne marche pas. Demain, il y a un péage. Wana. Mes frères, toutes ces choses, Yango, il y a un problème. Le problème entre Bato Akala, na Bato Alelo, et la survie politique de Bato Akala. Parce que tout le monde a dit qu'il y a un péage. C'est des gens qui n'ont pas de profession. Bah, la profession est moussoutée. Est-ce que vous imaginez que M. Bitakura, pour ne citer que lui, j'ai beaucoup de respect pour lui, et ça va illustrer, à Silikate. Bah, ben, M. Bitakura, dans le parquet. Bah, tout n'est monsieur profession. Alors, il y a un ministre honoraire. Mesdames et messieurs, mesdames, à tabino mon copain, ça va beaucoup modèle mignon. C'est quel pays? Ancien ministre, des professeurs moutou. Donc pour certaines personnes, la profession c'est vraiment politique et la profession naïe. Donc politique, profession, sa profession c'est ça. Donc c'est des gens qui n'ont pas de métier, qui ne connaissent rien d'autre. Sauf que le monde dit bon, la politique, ils ne peuvent plus rien faire. Il y a un monde qui poussera bongo baïba. Il y a un monde qui poussera bongo ba corrompre. Il y a un monde qui poussera bongo ba se faire acheter. Il y a un monde qui poussera bongo ba se baba qui ne peut détourner parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens de vivre en dehors yawana. Il n'a jamais fait quelque chose dans la vie. Oh, attends, la vie n'est pas bande vie n'est yawana. Moi au moins je suis journaliste. Je peux être aujourd'hui promu ministre de la justice, topé de la communication, ou bien on peut faire de moi un premier ministre dans ce pays. Je suis journaliste, je suis avocat, je suis éleveur, et puis je suis fermier. Il y a la nuance dans les deux. Donc, au commissaire d'un premier ministre, ce n'est pas un problème. Au commissaire d'un ministre, ce n'est pas un problème. Je n'ai pas le temps d'aller voler. Parce que j'ai ma source est revenue dans les Aralango déjà. Mais supposons qu'il y a un salariat et l'autre côté, Naïbi et l'autre côté, je ne sais rien d'autre faire. Il y a un moment où il y a la politique, Baïbi, 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 tant politique que c'est lui, Bételi, 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 au point que comme il y a un salariat AVC. On me dit, pourquoi vous avez un AVC? Le professeur Njoli appelle ça la mandoukratie. Et l'autre, il y a un Nikila. Ah, ça, politique à Poalia. C'est ça le plus grand problème de notre République. Si vous avez battu un modèle, il y a un Bada et Bélé. Oyoka qui est notre ancien ministre, alobi ya na ya bisa kaye, mbokoyo. Ba mbongo a l'état balia kaka soki ebeli. Mbongo a l'état balia kaya ngo kaka soki ebeli. Donc pour la ye, il y a des bons vols. Il faut y a des vols ouais à malamu. Ba mbongo mbongo a l'état, il faut relier ngo soki ebeli. C'est-à-dire soki mbongo a créé le problème. Pourtant mbongo a l'état nyo so créé aka problème. Ce créé problème, c'est que binonde bo komi na niveau koyi ba makasi ko lika ma mécanisme bino bo tia ko kanga tricherie. Boke nomu musikate. Le voleur devient plus intelligent lorsque le système de contre-espionnage ou de contre-vol est à ma casse. C'est comme ça, ce n'est pas que vol n'a pas été. Non.
C'est ça notre pays. Alors, tant que Balingi va créer le Kanengwana, et ça, il y a un autre problème. Ils ne peuvent plus vivre. Et ça, les Congolais, ils ne peuvent pas vivre. Ils ne peuvent pas vivre courant, mais ils ne courant chaque jour. Ce sont eux qui disent aujourd'hui que la régie des eaux, ils ont foutu à monter. Mais comment vous voulez que la régie des eaux trouve de l'eau, trouve l'argent? Ceux qui sont abonnés, ils ne peuvent pas vivre. Parce qu'il y a un général, parce qu'il y a un colonel, il y a un monsieur Yaboué, il y a un Kingan Yaboué. Alors, le fait, cette idée, il y a que paterniser Mboka. Il y a que paternaliser Mboka, allez-je dire. Vous n'allez pas évoluer, vous n'allez pas avancer. Bah, secteur est bon, Mboka, il y a un secteur, il y a mine, il y a un secteur, il y a douane. Voilà, écoute, c'est un régime financier. À l'époque, il y a un régime financier, il faut aller à l'équipe Yamoutou. Cousin Yamoutou, camarade Yamoutou, pire petit Yamoutou. Je vais recommander. Ce n'était pas des hommes et des femmes qui prennent l'idée à côté de Mboka. Non. Tu as là-bas, tu as la régie financière. Tu as là-bas, DG na bango, DG à régie financière. Tu as là-bas, Mboutou, tu as la porte. Tu as la vie na bango, tu as la carrière. Tu as l'économie, tu as la porte. Tu as la passe na Mboka. Tu as la douane, tu as la OCC, tu as la entreprise. Tu as la Mboka à l'État. Mboka, comment on dirait la DG à la Mboka? Je vais avoir un jeton qui est là. Jeton de présence, il y a autant d'argent. Je vais avoir un paquet. Mais le peuple est là, il va travailler là. Il est côté. Allez voir la qualité de vie d'un agent de l'ONATRA. Comparez cette qualité de vie d'un DG à l'ONATRA. Il y a une différence à ma casse. Et car il est tellement frappant que. Beaucoup imaginez. L'autre ne manque de rien. Pardon. L'un manque de rien. L'autre manque de tout. Alors, quand il y a juxtaposition et enfer dans le paradis, Bolingi est nié comme et Osaka Mabe, mon cannabis est bébé à côté wana. L'ikambo yo bango bazo bunda. Et dans la bateau à côté, et dans la bateau à côté, bako bunda, pona mbongo. Bato moko balingi baza na mbongo, balingi va perdre mbongo te. Mais babou yuko sala mosala. Il refuse de travailler. Mais il veut avoir quand même l'argent. Ça dit mbongo moibi. Mbongo moibi. De troisième élément. Bah, il dit que l'avènement est fâché et il est pour le marché public. Et là, on peut faire un trouble dans le monde. Donc, le marché public, il y a beaucoup d'imaginer que le côté ici. Vous avez un peu de l'élément. Bachaki Beseko, pour contrôler le circuit financier, contrôler le marché public, octroi, ainsi de suite. En principe, la loi sur le marché public, il faut être dans la loi que vous allez respecter pour permettre l'émergence de Mboka. Donc, on passe à un exemple. Nga naza entreprise, na Congo Buzz. Congo Buzz a lingi à l'entreprise, tout ça c'est entreprise à l'État. Ou même non, mais toi à l'État nazana. L'État a besoin bah tout le monde va faire les communications naie. Toi bata elle peinture nanda comme on va repeindre marché par exemple pour ma cité. Prenez l'exemple que l'État congolais veut créer bah marché bah nouvelle cité. Alors peut ça nous sale pas banane. Alors ça a lancé offre, n'est-ce pas? Pour que toutes les entreprises ont fait la ndaku, ma maison préfabriquée. Toutes les entreprises ont une expertise. Ont une expertise. Aujourd'hui, nous avons des entreprises qui ont fait la ndaku en 7 jours. 7 jours. Quand on a Facebook, on a une maison en 7 jours. Totalement dans ma baya, dans ma nzete. Quand on a coulé béton, on a bongisi makambu. Et puis, il a créé une structure 7 jours. Moussa l'habité, il a créé une structure dans 21 jours. Moussa l'habité, il a créé une capacité dans 36 jours. Il a dans 42 jours. Moussa l'habité, il a créé une structure dans 90 jours. Type Yaboué. L'État congolais apprécie. Dans la commission de marché, il y a pas de marché. Il a mis en compte l'expertise. Oui, entreprise Jérémy Construction, Yaka. Entreprise Homo Construction, Yaka. Entreprise Congo Base Construction, venez. Toyet. Tony vous l'avez mené na biso. Talanga na tonga ki na Kipouche. Talanga na tonga ki na Kolozi. Talanga na tonga ki na ville telle en Dar es Salaam. Talanga na tonga ki na Bo. Talanga na tonga ki na Bo. Ba retourne na siko, bino tout tonga ki ona c'est vrai. Banani wazo pe bana capacité ya ko produire ya ko préfinancer yango. Non, Jérémy a habité nga na préfinancer tenga ça la bonté. Homme j'ai habité nga na préfinancer tenga ça la bonté. Mais moi quand habité, moi je vais préfinancer. OK, préfinancer. Bo bani ko préfinancer. Basale libino musala na ba condition nango ya kitoko. Nde ba benga nango ba marché public yango wana. Oyi falaka ke ba pesi bino marché. Toza na marché ya ko nettoyer présidence ba pesi bino marché. Toza na marché ya ko fournir pays ba ordinateur ba pesi bino marché. Mais ba ko pesi bino marché de gré à gré boité.
Bon, comment ça vient de marcher des volontaires à Mouta? C'est pas là, parce que ça vient de il faut compétir. Le gré à gré, c'est à la Karango. Et pour qu'on puisse marcher dans la compétition, c'est à la Karango. Mais c'est quoi? Ceux qui bino bozu, et comme il y a de la famille Nabino, et si m'bate, il y a un bon débat érigé qui l'ont le quoi principe Namboka. Namboka, oui, c'est là qu'ils sont ministre, il y a habitat. Moi, il y a un quoi, moi, si il faut ça l'entreprise, il y a nettoyage. Comme ça, il y a un marché marcher, à nettoyer l'entreprise. Bah entrepreneur ya malonga bato wana ba usine na bango ya malonga bato wana ba entreprise on va foutre ka taxe na impôt na mboka oyo moyo boza marché wana ezate pour ministre wana konti après si vous na marché ça ne marche pas comme ça, ça ne marche pas. Ce que tant que bango le week bato sika baye balingi ba buka makambu wana pour que eko mapena non eko mapena transparent et tiens on trouble. Mais nous avons été en train de se faire des choses. Nous avons été en train de venir dans Bango. Nous avons été en train de faire des choses. À l'époque, il y avait qui, vous avez été en train de faire des choses. Bisso, nous avons été en train de faire des moi-même, Christian Bossembe. Je suis victime, il y a un général de l'armée. Nous avons été en train de un général de l'armée congolaise, général de l'armée congolaise. A Botola Bisso Ndako, général et armée congolaise, jusqu'aujourd'hui en fonction. A Botola Bisso Ndako, pour Sepeli, ça fait 10 ans. J'étais encore tout petit quand on nous chassait dehors. Parce que mon père, c'est-à-dire le grand frère de mon père, tout son malheur, c'était d'avoir été Moutou Yakote Kuna. Bah Kangiye, il fait 8 ans en prison, bah libéré. Il finit sa peine, bah Bimi, la cour. Et décidé na arrêt nango va libérer Ndako parce que la maison n'avait pas de problème, mais un général a estimé qu'il ne fallait pas. Général na botola biso Ndako tilelo, il nous a dit ceci: allez partout vous allez aller, vous allez me retrouver. Ce général là jusqu'aujourd'hui il a notre maison tilelo de panaye Ndako na biso na joli parc tilelo avant nango na volonté na ya ce pays. Alors botola biso ka modèle wana ce que ba congolais baza est belé ba la situation modèle wana. Et bien, tout le monde, général, on a fait la gare à Bongo depuis Kala. Mais qui a déjà pris soin de Bengata général qui a inquiété? Qui a déjà pris le soin de Salango? Parce que c'est là qui entre Bango na Bango. Il y a aucun entre Bango na Bango. Mais puisque vous n'avez pas de quoi policier, n'avez de quoi militaire, ou il y a Nicolo Kuna. Je n'en ai pas. Non, ça n'est pas. Vous êtes en train de regarder, vous constatez. Vous faites des rêves. Vous êtes en train de faire. Imaginez que vous avez dit que vous avez dit que vous avez Boké comme on a même la cour. Le même juge, oh après la Gibino arrête le bibe, papa, n'a pas ça la nini Yusuf. Oh justice, ça là ça la sali déjà. Arrête Yangoyo. Mais parce qu'il est général, il s'oppose. On fait comment? C'était le pays dans lequel on est. Alors dites-moi un peu si on peut faire ça à des militaires. Parce que mon oncle est un colonel. Bon, si on peut faire ça à un militaire. Mais dites-moi un peu. Et vous allez boni dans la civile. Bangamba baza combien au banda kuna bongo ba botola. C'est tout le jour que moi je reçois ma message à bongo. Ndako mutuba botola. Ndako mutuba botola. Pour moto za mokondi, ada mokondi. C'est quoi le quoi de la ki bongo pendant 20 ans et avec le quoi modèle de vie na bango. Ko botola ka ma pango bato. Ko botola ka ndako bato. Ndako na biso na ni kulutu na biso na ni ya Gabi. Allez li combien de fois na mboka o. Combien de fois lui a pleuré? Lui au moins politicien. Bah donc c'est les bandas qu'on a. Bon, on va sur Baoué alors. Vous savez ce que c'est de vivre dans une famille? La nuit, c'était un jour la nuit, on nous a chassés, étudiants au campus. C'est-à-dire, tu vis en Bandaka, tu es là, tu es né à Goma, bien sûr, mais tu as évolué en Bandaka pendant très longtemps. Et première fois, on a eu un cabinet qui est référence à la Bandaka, la Bandaka, la Bandaka. Mais un jour, on vient, on vous chasse. Vous n'avez aucune idée du préjudice que vous savez, quoi, que vous ressentez dans votre. Vous allez où? Parce que là, c'est la débandade. Tout le monde a eu un cabinet qui est référence à la Bandaka. Vous, vous faites comment? Et ça fait 10 ans, pas 10 jours, pas 10 mois. Ça fait près de 10 ans, jour pour jour, que nous vivons cette injustice dans notre chair. Est-ce que vous comprenez le modèle? Et quand tu entends les gens t'appeler Christian, tu te dis, waouh! Mais on est combien au motel sur Bandaku? Alors, quand le président actuel vient à l'obité, souvenez-vous, mesdames, vous n'avez aucune idée, j'ai pitié pour le président actuel. Il en a eu pour lui.
Ce n'est pas une priorité. Et que priorité, tu es priorité, c'est que tu es là. Tu es là. Qui peut manger et boire calmement alors que sa maison est arrachée? Les fruits de ses efforts, il y a plus de 20 ans. Il y a 30 ans. Et un jour, un général estime que il est un gars. Ce que vous pensez que vous avez un gars, vous avez un gars. Est-ce que vous pouvez imaginer le modèle? C'est ça. Le monsieur, la victime, mon oncle, il porte même mon nom d'ailleurs. En fait, je porte son nom. Je veux dire Kelly Bessembe. Kelly Bessembe, Bato Basala, Atom Mobutu, Baébié. Baébié. Un arrêt, hein? Arrêt. Arrêt à court, le bité, monsieur. N'a quoi le bon, on va faire comment? Tolobani, un général de l'armée. Lundi, peut-être, ceux qui m'ont dit, ils m'ont dit, ils m'ont. Mais nous sommes confiants que, peut-être pas les lots, mais on est confiant que pendant ce mandat, on récupérera maison. Wana. Et Bandeko, tout, Bobo, le Bango, Bandako, Bango, récupérer Bandako, Nabango. Parce que ce temps-là est dépassé. Ce que Bilo, qu'on a tout, Bozo, Mona, Batouana, comment ils ont vécu, Dakati, illicite, il y a modèle, Wana. Bayo, quand il y a Moutou, Mokoye, Aligal, Mouna, Mounia, Soukam, Bamogobo, Yango, Bakanda, Bozo, Mona, Mouana. Ndeko, Batou, Bélé, Bazo, Bato, à l'État, Bak, confisca, et comment y a Bango. Baboma, Onatra. Baboma régie des eaux, baboma INSS, baboma bilo qu'on a au profit na bango moko. Même Sonas. À un moment donné, les gens se disent non, trop c'est trop quand même. Voyez-vous? Trop, c'est trop. Il faut changer de manière en ça likam. Nde yangoana. Ba régie financière et comment se cotise mbongo, une partie en bongo et que financer ka ba parti politique. Yango mona ka ba sala ka ba décret ya buzoba, ba décret ya ya patapunya pour les protéger bango, ba yiba malamu, ba kota ba mbongo na ba poste ba malamu. Je ne pensais pas qu'ils allaient répondre. On est venu répondre, on a communiqué, on est venu répondre. Parce qu'ils ont compris que, oh, mais le gars a frappé là où ça fait très mal. Non, cette histoire-là, il faut que ça s'arrête. Ce modèle de vie-là, il faut, comme on a dit, il faut accepter que ça soit bien. Il faut accepter que pousser ma cambo qui est libosso. De façon que dans ce pays, que l'injustice ne soit pas impunie. Que l'injustice ne reste pas impunie. Il faudrait que l'injustice soit sanctionnée. Et en regardant l'état d'esprit de la nouvelle administration, c'est des gens, ben je ne vais pas dire des gens parce que je ne connais pas tout le monde, mais au moins dans les idées du chef de l'État, quand vous l'entendez parler, vous sentez que quelqu'un qui n'a pas besoin de l'injustice qui est régné. Mais il faut donc des mécanismes pour empêcher que l'injustice s'enracine. Il faudrait que Bato Botola Bango Bandakuna Bango va récupérer Ango. Et moi, je peux vous le garantir, mesdames et messieurs, constituez-vous en parti civil. Bolembate. Onyo fabi ke baiba enba botola endako. Il suffit qu'on ait un document, qu'on police un côté. Donc il y aura un moment donné, Bogoyo ka go et ko pesam. C'est déjà en train d'être mis en place. Il y a une commission, il y a Bilokoana et Efelema autour du chef de l'État. Moi, l'avantage que j'ai, c'est que je vous amène des informations claires. Il y a une commission dans, auprès du chef de l'État, où il y a la créer pour nos causes, c'est la batoubanda kuna bango. Et le chef de l'État est d'accord dans le processus Souana. A tiki en entre les mains des juges. Ça veut dire ceci. Ndeko, oyebi ki ba botola ou lupang. Oyebi ki ba botola ou lupang. Oza na document original. Maman, oyebi ki ba bimisa ou libanda, ba botola ou lupang. Ngongawana ici est liquide déjà. On est dans un pays où maintenant nous allons célébrer la justice. Tout s'est constitué en bloc de façon que tango makam de koma. Que nous avons présenté le document. Et beaucoup de gens ont passé la généraux et la ministre. Parce que la parcelle a bien mal acquis. On ne peut pas comprendre que la colonne a été sous la belle étoile. Il faut avoir un loyer exorbitant. Et que le monde parce que le profiteur. Parce que le profiteur qui est un régime. Il y a kleptocratie, il y a cacocratie, il y a inaptocratie. Il y a imposé la logique. C'est le moment. Mais comme on peut dire, il est temps que bino ba généraux, bino ba colonel, bino ba PDG, bino ba ministre, on va vendre la banda kobato, à l'amiable, bo benga bato wana, ba kolonda kouana, bo discuter na bango. Soit bo sombi banda kuna bango officiellement, soit bo remettre bango banda kuna bango na pete. Parce que, bon le bate que tobi sa ki binote, il y a une vague qui va vous humilier. Il y a une vague qui va vous humilier. La procédure qui est mise en marche est la procédure où vous humiliez bino et koutik à la génération à la génération. C'est le moment. Zala humble, on a qui message, yomo ko vande, bengi ba kolo lupango, obi bo bandeko. To bundi pe mingi, ça ne sert à rien.
Nga na besoin d'un ndako na ngina somba yango officiellement botia mnda ndako na bino combien tote ka yango bango ba ndima ko teka soki ba boy ko teka ndeko otiki otiki parce que biloko mu eloko mu toza sacré et là divinement sacré ok na ngoka bongo te c'est le moment de nous dire des vérités et d'arranger les choses. Voilà un peu où on a là tous les lots. Point de discorde na bango entre bato avec le gabaye ba. Parce que finalement bazo la nini bato na te. Vous ne comprenez pas qu'il y a deux grandes forces qui se battent. Il y a des gens qui ne savent pas comment ça va se passer dans leur avenir parce qu'ils n'ont pas appris le métier. Ba na misala ebele musu na misala te. Ebele pe musu ba na bango na misala. Mais ba yibi ke ba misala o bango ba sali et outi na na moyibi. Or, tant qu'on a relâché ma cambo, on a relâché déjà boué, et comme il a compliqué l'oubi. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Baby qui va regarder dans l'Olanda Bango. Ah, on est dans un hôtel, on a foutu un bandeau côté, ça fait. Bah, tout va dans un hôtel, dans Bango. Ne t'y va pas dans le bureau Kadima. Il y a Béatrice Hôtel. A foutu un taxe, on a un impôt depuis un bandeau hôtel. A foutu un taxe, on a un impôt chaque fois. Il a un livret ou des preuves, il y a paiement. Mais juste à côté de Papa André, il y a d'autres messieurs. Je ne dis pas à côté en termes de géographie. Hein, non, il y a à côté en termes de Batou. Batou Moussou, il y a un hôtel dans le Congo. Il y a un taxe, il y a un impôt. Et parce qu'il y a un ministre, il y a un ministre. Il y a une recommandation, il y a une dérogation. Et ça va faire 10 ans, ça va faire 6 ans, ça va faire 7 ans. Batou, il y a un hôtel et l'autre côté. Il y a un côté. À un moment donné, trop, c'est trop. Donc, tant que vous avez une enquête, entre bilan et Yézanine, au bilan, vous avez foutu, monsieur, c'est l'élan d'entreprise, et vous foutu un bon, il y a 6 ans, il y a un arriéré, et ceux qui ont foutu un côté, il y a un commis à l'État. On va aller dans ces conditions-là. Si maintenant, on dit, on va aller dans l'État des droits, parce que c'est un cauchemar pour eux. Mesdames et messieurs, l'État des droits est un cauchemar pour les dictateurs, pour les kleptocrates, pour les inaptes politiques. L'état des droits est un véritable cauchemar. Bah toi, bazo la soute, bah t'es jusqu'où ça va aller. Ne tous les baboué, ils savent qu'ils ne peuvent pas dormir, ils ne peuvent pas compter. Bah ils disent que ma de tout basali et simbati. Ils savent que tout ce qu'ils ont dit, ça ne réussira pas. Nous avons atteint un point de non-retour. Félix Tshisekedi dit en tant que président, lui aussi est coté, non? Il va être président de l'Union africaine en exercice dans peu de temps, il le sera. Il est lui aussi coté, bah, au côté pays, bah, au Talaïp et Libanda, comment ça se passe? Et vous pensez qu'il va vouloir perdre des points parce qu'il veut satisfaire un groupe, inconscient, ingrat? Non, ça ne marchera pas comme ça. C'est pourquoi on avait dit, seule la repentance va vous sauver. Rendez le bien de l'État, rendez le parcelle des gens, rendez le bien d'autrui. Ce qui vous salit en gros, vous pouvez coopérer avec la justice. Mais quand le moment viendra, il sera très dangereux. Une deuxième délégation de la CPI sera à Kinshasa la semaine prochaine. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Dans le fort pour l'indépendance.
Isanga.